opération contre groupe gang armé dans le pays mobilisé. Je conseille nous rester dans la vidéo jusqu'à la fin pour nous connaître plus de détails concernant toute actualité et ou même tout qui apprécie ce travail là. Pas négliger la vidéo ça, un like et abonnez à la chaîne là, une façon pour nous capable toujours être connecté ensemble avec Stars TV. Prenons à l'instant même dans zone tabac, évitez zone là pour qu'on y a la mesdames messieurs puisque nous apprenons une opération là puisque nous avons une vidéo pour également. Opération la police qui a mené à l'égard de messieurs Vite l'homme. Oui, grand à l'instant même, mais pour qu'on y a là, en plus, concentrez-nous sur que soit devant l'ambassade américaine, côté que nous, policiers, ont débarqué avec plusieurs véhicules pour bailler mon pression pour faire sortir devant l'ambassade là. Mesdames, messieurs, Lionel. Mesdames et messieurs, ambassade américaine dans le pays d'Haïti. C'est un endroit qui a plus de sécurité passé tout côté dans le pays. La protéger par des soldats américains, la protéger par des soldats ou bien police haïtiens, si on place vraiment qui gagne en pile sécurité. Selon les lois qui gouvernent une ambassade dans le pays, c'est un pays en dans un pays. Et si tu as un monde qui est en détresse, cap courir contre persécution, contre terroriste, qui a courir, il y a le point refuge dans l'ambassade ça. L'ambassade là a une responsabilité pour le protéger monde ça. Semaine ça l'entend de ça qui passé. Bandit en Haïti, sous la direction de Vite l'homme, chassé des Haïtiens qui étaient là caillou, mesdames et messieurs. Et il y a le point refuge devant l'ambassade américaine. Haïtien sa yo, pas gen côté pour y aller. Yo pas gen choix. Yo parti quitter la caillou. Parce que terroriste haïtien rend situation impossible pour moun sa yo. C'est grand moun femme, ti moun. On se dit, mesdames, qui va gagner mari. Situation est si tellement difficile pour le monde, ça yo. Yo ramasse ça, yo te capable. Mesdames et messieurs, y'a allé, y'a logé koyo devant l'ambassade américaine. Parce que c'est celle façon ça qui vous pensez. Yo capable d'être en vie. Nous capable, ouais, mesdames et messieurs, situation, on va monter nous là. Ça, c'est photo. Qui te prend par Novelis devant ambassade américaine en Haïti. Si on bagay qui drôle, qui triste, gade visage, les enfants haïtiens qui a le point refuge dans un endroit qui pas connaît qui l'est, y a sauté là. Et qui pas connaît comment yo pral sorti là. Mesdames et messieurs, c'est pas une image que personne t'a voulu trouver là-dedans. Moun sa ou ki la, ce sont des gens qui te gagné même un jour pas pour rete. Yo ki n'a pas gon kay qui était belle, mais yo te gon tout quand même côté qui habite dans pays yo. Mais à cause des criminels, des terroristes haïtiens, moun sa yo, quitte la kayo, courir, prend sa yo capable prend, et elle prend refuge yo devant ambassade américaine. Et là, yo espérer peut-être, yo capable passer quelques jours dans la paix. Selon moi-même, c'est une idée géniale. Je ne connais pas pour qui ça plus pas de faire déjà. Parce que si par hasard, il y a un groupe de monde qui commence à gonfler devant l'ambassade là, le message là capable d'aller plus facile dans les oreilles de la communauté internationale là, qui peur, ou bien qui pas voulu entrer en Haïti.
Comment monter, mesdames et messieurs, ça, vous regardez là, c'est haïtien. Qui habite dans plein air, en bas soleil, avec la pluie, devant l'ambassade américaine, Yoshita là. C'est pas des gens qui violents. C'est pas des gens qui va le tirer sur la police. C'est pas des gens qui fait kidnapper. C'est pas eux-mêmes qui ont kidnappé, mesdames et messieurs. Yo, c'est victime d'un système criminel. Yo, c'est victime des Haïtiens qui n'ont pas pitié pour personne. Des gens qui seulement ouais intérêt poche yo, mais qui ne connaissent pas un peuple qui doit vivre tout. Yon se des moun ki di tout pou yo et k'ap maltraité yon peuple ki pa gen ni abri ni secours nan yon pays. Police nationale d'Haïti ki ta gen yon responsabilité, mesdames et messieurs, pour supporter et protéger moun sa yo. Mesdames et messieurs, selon ça que nous apprenons, ça qui au fait peuple ça passé hier, c'est bouche qui pas capable parler, j'ai pas capable boire. Mesdames et messieurs, soit regarder ou après groupe moun devant ambassade ça. Sans espoir, sans abri. Yo pas connait entrer dans zone là. Avec gros âme et au mété peuple de yo. Mitye de yo. Mitye de yo. Pren ka yo. Mitye de yo. Yo pa besoin konnen si c'était ti moun, si c'était grand moun, doesn't matter. Yo mete tout moun de yo. Genèr men brûlé ka yo. Sa yo se bandi haïtien, petit haïtien. Qui habite en Haïti, qui voit misère peuple à passer. Et me suspecte, quel que soit message qui est allé passer, il déjà passé, il passe déjà. Nous étant qu'on est au gain de force, au gain de puissance, au gain d'âme. Mais ça pas suffit. Yo continuer. C'est là yo qu'a un abri yo. C'est la sécurité. Yo décider, yo poil rester côté dans côté ça. Mesdames et messieurs, mes sacrifiés. Police nationale d'Haïti. Ne songez pas gen police dans le pays, right? Parce que ça gagne, yo pas ka battre avec gang. Yo pas gen zam, yo pas gen machine blindée, yo pas capable battre avec gang. Mais gang sa yo qui mettait peuple ça dehors là, selon moi-même, me pensais qu'il est plus dangereux que malheureux ça yo. Selon moi-même. Parce que moun sa ke moi là, m pa kwè ki gen rien la kayo là qui capable menacer police. Et non seulement ça, côté ki yo là, yo non endroit côté que capable konnen ki gen sécurité. Mesdames et messieurs, nous jwenn ti vidéo qui pas trop clair, m pa le partager avec nous. Côté que police nationale a plagé gaz à moun sa ou ki nou wè la, mesdames et messieurs. Malgré ça.